vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes à Garden by the Bay et il pleut toujours avec des animations pour les enfants, avec plein de dinosaures, etc. Donc du coup, voilà, on est venu ici malgré la pluie et je vous emmène avec moi. Parti. Le festival des enfants. Il y a des animations tous les jours, des spectacles, etc. autour du thème des dinosaures. Et donc là, on a mis nos filles dans le petit train. On va faire un peu le tour, puisque l'objectif, c'est d'avoir des œufs de dinosaures. C'est un peu comme une chasse au trésor. Mariam, c'est à moi que tu dois dire bye bye. Vous allez bien? Mariam avec son parapluie plus grand qu'elle. Et elle veut pas le partager. Allez! Rien? Voilà, bravo! Chacune a un cahier, chacune a un cahier les filles. Attends, on a mal fait rien, doucement, fais-le, vas-y, fais, appuie. Voilà. Yeah, on a trouvé le deuxième. On continue. Dans le troisième stand. J'ai mal aimé dans les bras, elle vient de se ramasser littéralement. Tu t'es fait mal? Tu t'es fait mal aux fesses? Oui. C'est parce que t'écoutes pas maman, maman, tu n'aimes pas courir. Il pleut trop. Alors on a trouvé une astuce. On va au McDonald's avec les filles et l'un des adultes va aller faire les tampons. Parce que franchement, il pleut trop. C'est pas faute d'avoir essayé, mais non, il pleut trop. Donc il pleut, c'est embêtant, elles sont embêtantes, elles ne veulent pas tenir le parapluie, elles ne veulent pas partager les parapluies, etc. Donc voilà, on va aller se poser au McDo. Et voilà, elles ont eu des œufs, thank you. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? There is something inside. There is something inside. Oh, ouvrez, il y a quelque chose dedans. Oh, oh. Thank you, Panama. Ok, c'est bon, franchement, mais sans plus. Pas bon. I prefer you really. Really? Wow, this one. You want to try this one? Ah, it's. You really make nice. Thank you.
train de rentrer. Donc on attend Hubert, notre copain Hubert. J'espère que cette petite journée avec nous vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Peut-être au rendez-vous demain. Je regarde mes filles, c'est pour ça que vous voyez mes yeux bouger dans tous les sens. Je les regarde. Et sinon, peut-être que l'aventure continuera demain, on verra. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye. J'espère que vous allez bien. Donc on vlog de nouveau. Alors après avoir vu la petite chasse au trésor de la semaine dernière, donc nous sommes dimanche, hier on est allé à Poliwog. Donc il a plu toute la journée, donc du coup on est parti à Poliwog. Je pense que vous connaissez maintenant Poliwog puisque je vous ai déjà fait un vlog concernant cet endroit. Donc je vous mettrai ça en suggestion ou alors vous allez dans Family Vlog. Donc aujourd'hui on va faire un peu de shopping. On va en profiter pour faire ce centre commercial qu'on n'a pas encore fait, donc dans ce quartier. Et on va manger là. C'est important d'abord se remplir le ventre. On va manger hindi, indien. C'est quoi c'est quoi? Masala. Masala? Masala chicken, chicken masala. Et toi t'as pris quoi? Biryani. Biryani. Et pour les filles c'est? Goren. C'est quoi? Goren. Goren. Avec des légumes et des œufs. Rania, qu'est-ce qu'il y a? Ok, elle veut du poulet. On va lui donner du poulet. Ciao. Donc là on est à Daiso. Alors c'est un magasin un peu dingue dans le sens où tout le magasin est à 2$. Même prix, voilà, 2$ l'article. Et c'est marrant parce que c'est un magasin, à chaque fois je viens, je tourne en rond, mais j'achète jamais rien. Mais j'aime bien faire un tour aussi. Donc il y a vraiment plein de choses. Ce qui est chouette c'est que il y a plein de choses pour les activités manuelles. Si vous organisez une fête ou ce genre de choses, il y a plein de chouettes décorations. Il y a de la belle vaisselle. Franchement, il y a de jolies assiettes d'inspiration asiatique. Mais voilà. Oh, je ne sais pas où c'est. Je vais redemander à madame. Je vais lui redemander où est-ce que c'est parce que je n'arrive pas à trouver. Voilà. Ils sont là. Donc je vais en prendre un. Ouais, je vais prendre ça, je crois que ça fera la peine. On est dans mon rayon préféré. Je pourrais passer des heures à regarder les cahiers et tout, et sans forcément les acheter, mais ils ont plein de petits cahiers, plein de petits trucs trop marrants, donc j'ai hâte que les filles soient plus grandes, donc ça serait... Bon, c'est vrai que là... Vous voyez, il y a plein de trucs super sympas. Il y a plein d'enveloppes... Bref, vous trouvez vraiment des cahiers pour tous les goûts. Et c'est le même prix pour tous. Monkey Monkey, c'était l'année du singe l'année dernière. Cette année, c'est, je crois que c'est la poule, le coq, quelque chose comme ça. Donc voilà, franchement, il y a plein de chouettes choses. Je regardais s'il y avait quelque chose pour les voyages, mais j'en ai acheté un chez Taipo, qui est un autre magasin. Mais bon, c'est pas les mêmes prix du tout. Donc voilà, il y a plein. Ah, ça c'est bien pour les filles. Oh, je crois que je vais leur prendre ça pour qu'elles pour faire du coloriage. Elles adorent la Reine des Neiges. Bon, plutôt bien imité. Je crois que je vais leur prendre ça. Je vais leur montrer. Pas mal. Ok, montre à madame, tu veux quoi? One like this? Three. Parce que quand on sort à l'extérieur, en fait quand on est plutôt à l'intérieur, on oublie la chaleur qu'il fait à l'extérieur. Donc dès que vous sortez, waouh, il y a la chaleur qui vous tombe dessus, c'est juste dingue. Voilà, donc on va aller se poser, prendre un petit café pour manger nos petits cupcakes. Et ensuite, ben, je pense qu'on va pas tarder à rentrer. Donc on a fait ce côté-là. Et apparemment, il y a une deuxième partie là derrière. J'ai pas acheté grand-chose. Chez Cotton On, j'ai acheté un super beau plaid qui était à 20$ au lieu de 70. Sinon, voilà, des petites bricoles pour les filles. Petit ballon. Les petits cahiers que je vous ai montrés à Daiso. Et voilà. Allez, on va aller se poser. On va aller boire un petit café. Woohoo!
Voilà, on est arrivé. Le gâteau arrive à la maison. J'espère en tout cas que ce petit vlog, ces petits moments avec nous vous auront plu. Comme d'habitude, si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. J'attendais que tu dises nouvelles, mais tu l'as pas dit. En attendant, attends, je vais te dire. En attendant, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Aventures.